Salut les gens, c'est Nord, allez-vous dans cette vidéo? Nous allons faire la présentation de mon stade de foot et plus précisément la map Paris, donc encore plus précisément la map Paris Saint-Germain. Et ouais les gars, donc alors... tout d'abord on va commencer par la petite présentation. Alors, donc nous voilà dans le serveur de la map Paris que j'ai faite au total en 6 heures, donc on aura un stade de foot. Et donc merci, donc petite dédicace à ceux avec qui j'ai fait cette vidéo, enfin avec qui j'ai fait ce magnifique stade avec c'était pas des abonnés à l'époque parce que je faisais pas encore de vidéos sur YouTube, c'était quand j'avais ma PS Vita je crois. Et du coup merci à TheCrap77, Nassim Boss, Cyprien, voilà. Donc la map n'est pas finie, mais bon, je pense qu'elle va jamais vraiment finir, donc ça vous lisez si vous voulez. Voilà, j'ai pas forcément envie de vous lire. Ok, donc avant d'aller dans le stade, de toute façon, si vous avez déjà regardé un de mes cache-cache stade de foot, vous devrez le connaître, mais j'ai décidé de faire une petite présentation quand même. Donc, alors on commence ici par le petit spawn, donc tranquille, donc là on est une map GTA, donc on s'en bat les couilles, donc ça on s'en bat les couilles. Donc, pour commencer ici, nous avons le premier parking, donc un parking assez basique. Par chez compliqué, donc là on a les 4 fontaines, là on a justement donc le pont qui n'est pas fini. Donc là en gros je voulais me lancer dans une map Paris, mais vraiment la ville de Paris, mais je trouve que ça va faire quelque chose de trop compliqué. Donc alors voilà, donc je vous fais vraiment une visite très rapide. Alors donc là le parking, comme je vous l'ai dit, donc là il y a les routes et tout. Donc je vous avoue que si je fais cette vidéo, je vous avoue vraiment que je fais cette vidéo parce que là j'ai pas de co. Je suis vraiment désolé de vous dire ça comme ça, c'est un peu bizarre, bon c'est pas grave. Au moins je fais des vidéos. Donc alors là on a le premier parking, enfin on a le parking avec les étages, donc là c'est le premier étage, le rez-de-chaussée plutôt. Là on a le premier étage, le deuxième, le troisième et... What, ça bug. Le quatrième qui est le dernier. Voilà. Donc après on a en face, c'est exactement la même chose, sauf que bah c'est pas décoré. Enfin j'ai pas fait les escaliers pour passer. Donc là on arrive dans le plus gros, dans le vif du sujet. Dans la billetterie. Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez lire, je vous laisse lire. Voilà, c'est bon. Hop, je vous ai tout montré. Voilà. Donc on arrive tout de suite donc dans les constructions et tout. Donc on va d'abord faire le tour. Excusez-moi si je dis beaucoup de donc. D'ailleurs mettez-moi le nombre de donc que j'ai dit dans la vidéo, sachant que je pense que je vais encore en dire. Excusez-moi. Bon, du coup, on continue. Donc là on en a un passage. Là on a des tribunes pas très aménagées de ouf, hein. Voilà, vous voyez. Et on a aussi des tribunes un peu plus stylées, qui sont les tribunes présidentielles, voilà. Et cet appui là, qu'est-ce qui se passe? Les rails. What? Ah, ça c'est dommage ça. Bon, je crois qu'il n'y a plus de feu d'artifice, je crois qu'il n'y en a plus. Ouais, s'il y en a. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le truc le plus important, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, excusez-moi pour le nouveau donc. Oh, merde, j'en ai encore fait un. Je suis un gamin. Bon, alors là, on a les joueurs de foot, on a les deux équipes de foot avec l'arbitre, voilà, donc j'ai pas montré les goals. Là on a les deux terrains, les deux cages, enfin les deux, ouais. Putain, je fais quand même, je dis que de la merde dans cette vidéo. Là on a les deux petites salles pour se changer, les vestiaires, le gros trou de mémoire que j'ai eu, bon c'est pas grave. Là on a une petite cachette qui nous mène à la fontaine d'ici. Là on a un jump qui nous mène à l'hélicoptère, qui est très joli d'ailleurs. Donc là si on fait ça, voilà, donc là vous voyez ça fait tala 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 tala. Là vous avez plus qu'à mettre je sais pas trop quoi. On va, tiens, si on met par exemple ça, vous voyez, voilà, en gros c'est le gros bordel comme vous pouvez voir. Ça c'était un petit système assez simple qui a été fait par Noël, merci à toi, petite dédié à toi d'ailleurs, je pense pas que tu seras dans la vidéo mais c'est pas grave. Y a pas de problème, donc c'est pareil, hein, y a un autre système qui est juste là, il était fait par Noël aussi, donc en gros tu te mets dessus, tu vas voir tout de suite ce qui va se passer. Voilà, voilà, on n'a pas besoin de montrer plus. Ok, donc je vous ai montré ça, et puis bah là, bon bah c'est un système pété, d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai gardé.
Donc voilà, donc après, ensuite on passe au stade de foot, au terrain en tout cas. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez de ce petit terrain. Donc sur les côtés, je voulais pas montrer, mais j'ai mis rêvons plus grand. Et de l'autre côté, bien évidemment, rêvons plus grand en anglais, ce qui donne Dream Bigger. Donc voilà. Voilà pour cette assez courte vidéo. Je vais juste vous faire une petite vidéo présentation avant de. Voilà quoi, tranquillou. Avant de passer aux grosses vidéos, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo présentation de serveur. Et puis bah voilà, j'en ai fait que un. Et puis bah là c'est mon serveur, donc voilà. Et bah sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!